Maximax, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Palladium. Donc déjà si le son micro est meilleur, c'est normal parce qu'avec Noël, donc si vous voulez une vidéo setup, enfin si vous êtes chaud, dites-moi dans les commentaires, j'en ferai une. Enfin elle est déjà tournée mais j'attends de la mettre en ligne si vous êtes chaud. Et du coup aujourd'hui je vais vous montrer un peu ma petite base et on va essayer de trouver des pillages, voilà. Donc dans mon EC, on va prendre un petit Unclaim Finder rouge. Donc avec le palladium qu'on avait eu dans le calendrier de l'avant, j'ai refait, parce que je m'étais fait piller mon grinder, j'ai refait un grinder. Il me manque des grinders frame, parce qu'il en faut 20, donc il en manque 13, voilà. Donc du coup, je vais vous montrer ma base, à tout de suite. Voilà, du coup, je suis à la base. Donc, on a déjà quelques petits XP bush. J'en ai que 3 parce que... Enfin, j'en ai 9 dans mon underchest, mais comme j'ai pas assez de Ferti Dirt, j'ai pas assez de chair de zombie. Donc, si vous êtes sur Palladium, que vous avez de la chair de zombie, n'hésitez pas à m'en proposer. Du coup, on a ici mon petit coffre. Voilà. Avec mon petit Palladium, parce que j'ai tout mis dans mon underchest. Un petit jump chest plate que j'avais fait avec des plumes que j'avais trouvées. En tuant des poulets. Et d'ailleurs, en parlant de cette armure qui est full enchantée. Donc, alors, c'est ce qu'on a eu dans le calendrier de l'avant. Donc, j'ai revendu mes bottes et mon plastron parce que mon plastron était déjà bien enchanté. Et du coup, c'était protection 4, unbreaking 5. Donc, du coup, c'est pas trop mal. Donc, on va aller chercher des bases. A tout de suite. Leader. Et on va sauter parce qu'on est assez loin. Je vais pas vous montrer l'écho non plus. Je ne suis pas fou. Hein. Et du coup, voilà, c'est parti. On va chercher des bases. Hein. Bon, du coup, c'est bon, je suis là. Donc, j'ai toujours l'Unclaim Finder rouge. Je vais peut-être le vendre pour me faire un peu de fric. Là, j'ai combien de monnaie? Oula, ça bug. J'ai 68 000 de monnaie. Ouais, 69 000. Bientôt 70 000. C'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. J'essaie d'économiser pour les box. J'aimerais bien prendre une Legendary Box, un peu. Je l'ouvrirai en vidéo si j'arrive à en prendre une. Je suis très intelligent parce que je n'ai pas pris de cave block. Super. Donc je veux juste voir mes homes. Qui a des vitres SVP. Hop. Voilà, parce que j'ai pas pris de cave block. Je suis très très intelligent, hein, moi, oui. Oximax, l'intelligence. Du coup, je vais chercher mon... J'avais du findium, mais je n'ai pas assez de glace. Bon, au pire, je vais prendre du sable, hein, c'est pas non plus le truc le plus dur à avoir. Hein. Hop, findium, je vais en utiliser que 2. Hop, voilà. On va faire un tour au shop. Je vais acheter du sable, hein, parce qu'il n'y a personne qui a des vitres. Pourquoi ils auraient des vitres, les gens? Non, mais... du coup, c'est là. Du sable, prix d'achat. Bon, allez, c'est pas grave, hein, soyons fous. On va en acheter 10, allez, on en achète 15. Prendre nos vitres qu'on avait, comme ça, on en a 18, on peut faire 2 cave blocks si je me trompe pas. Hop, on se met là. Dites-moi aussi si vous voulez des vidéos sur Granny. Vous savez, Granny, le jeu de la grand-mère folle. Oh là là, ça c'est les pires. Ils vendent des chests décorés pour 250 000 $. C'est juste des coffres, mais mise à jour de Noël, ils ont fait des chests un peu améliorés. Ça, c'est les pires. Oh là, je crois que je reconnais quelqu'un qui joue en ce moment à Palladium. Petit spawner avec 2 coffres dedans. Avec un peu de chance, quelqu'un aura caché son stuff dans un des coffres. Moi, je vais quand même descendre voir. Par contre, mon cave block vient là, voilà. Je vais descendre voir, comme ça, si on peut trouver des trucs dans les coffres un peu. Mais peut-être que c'est du genre aux gens de cacher leur stuff dans des coffres de mineshaft. Donc, avec un peu de chance, il y en aura un qui aura fait ça. Alors, bon, du coup, les gens, j'étais en train de miner. Bon, j'ai trouvé 13 émeraudes déjà dans ce mineshaft. Mais regardez mon Unclaim Finder, je suis à 6%. Donc, c'est assez énorme. Pourquoi j'ai pas mon deuxième truc? Je ne sais pas. Ah, c'est bon. Du coup, aussi, j'ai récupéré 2 ectoplasmes, c'est pas mal. Mais par contre, 6%... regardez, il y a encore une émeraude ici. C'est excellent. Par contre, 6%, ça commence à faire beaucoup, hein, quand même, hein, pour un mineshaft. Je vais continuer de miner, récupérer l'émeraude qu'on a vue. Parce que là, on récupérera bien 15 émeraudes.
Ça, on va se faire beaucoup de pognon quand même. On peut se faire 7 000 dollars avec tout ça hein, quand même. Ah bah, il y en a encore une là. Excellent. Excellent, on va se faire plein de fric avec tous nos émeraudes. Non mais c'est tellement abusé. Bon, du coup, bah, on se retrouve si je trouve un truc intéressant. Hein. A few moments later. C'est bon, du coup, j'ai retrouvé un spawner pour nous consoler quand même d'avoir perdu l'autre. Voilà, donc peut-être que c'est presque le même, mais non, c'est pas le même. Mais j'aimerais juste voir quand même ce qu'il y a dans les coffres. Allez, hop, êtes-vous prêts? On y va. C'est parti. On va casser le spawner. Il y a le zombie qui va arriver. Allez, bam. Barre-toi, le petit zombie là. Hop, on va casser le spawner. Non, mais toi, barre-toi! Tu pourras pas me tuer. Hop, donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans? De la merde. Des disques de musique. Bon, allez, on va en prendre un. Hein. On sait jamais. Name tag, ça peut toujours servir. Hein, clairement. Non, quoique. Bon, ça sert à rien en fait. On n'a rien trouvé. Je vais juste garder un disque. On sait jamais. Et voilà. Donc, je me mets à ma base. Et sur ce, je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et donc, sûrement le setup, si je le mets pas avant, enfin, je verrai. Du coup, salut à tous, c'était Oxymax.